everything changes. Eh bien, salut tout le monde, c'est Funky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une information que j'ai à vous faire transmettre. Donc, c'est que je suis passé en partenariat avec un site, donc le site s'appelle WeWantServe. Donc, quel est le but de ce site? Donc, c'est un site qui permet de louer des serveurs Minecraft, mais qui ajoute une nouveauté. Donc, c'est la première fois que je vois ça. C'est, donc en gros, comme c'est écrit là, donc jouer c'est gratuit, c'est leur slogan. Donc, en gros, plus vous allez jouer sur votre serveur, donc il y a des règles quand même, plus vous allez jouer sur votre serveur, et bien vous allez gagner des times coins. Comme là c'est écrit, vous gagnez 60 times coins, c'est super dur à dire, par heure. Donc en gros, vous allez jouer une heure, vous allez gagner 60. Et en gros, avec les times coins, vous allez pouvoir, avec un certain nombre de times coins, vous allez pouvoir gagner, enfin acheter un serveur. Par exemple, moi là je suis à 750 times coins, j'ai encore pas loué de serveur. Donc en fait, vous allez voir, par exemple, regardez, pour louer, ça vous demande de créer un serveur. Donc, par exemple, vous allez faire louer, et là vous allez pouvoir choisir le nombre de jours que vous voulez. Et par exemple, pour avoir juste 5 jours, c'est 1200 times coins, et j'en ai pas encore assez. Mais en gros, vous pouvez acheter des times coins comme vous voulez. Donc c'est pas très cher, comme vous pouvez le voir. Pour louer un serveur de 30 jours, 7,20€. Mais ce qui change de tous les autres loueurs de serveurs, enfin tous les autres sites qui, par exemple comme OMG Serve ou Minecraft Mania ou plein d'autres, c'est que en fait, si vous allez dans Informations, c'est que par exemple, vous avez de l'illimité en RAM. Donc en gros, la RAM, c'est par exemple si vous allez ajouter plusieurs maps à votre serveur, au bout d'un moment votre serveur va laguer et va devoir restart toutes les 10 secondes par exemple. Alors que là, que si vous avez donc 15 Go, 25 Go, 64, 128, en gros, ce sera toujours illimité. Vous pouvez mettre autant de trucs que vous voulez sur votre serveur, il ne va pas bugger une seule fois. Donc en gros, pour avoir après les timescoins, comme je vous ai dit, de 1 heure, il faut avoir, donc vous allez dans les règles, donc dans information, et il faut avoir au moins 2 joueurs en activité sur serveur pendant 1 heure et mettre le plugin anti-AFK Time Win. Pourquoi? Parce que en gros, vous pouvez faire des fraudes, donc en gros vous pouvez vous mettre en AFK, et en gros c'est comme si vous partez, et bah si vous partez en gros avec ce plugin, et ben ça va pas vous compter l'heure que vous jouez. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Mais en gros, plus si vous restez AFK, en gros ça ne va pas vous compter l'heure que vous avez passé sur le serveur. Donc aussi vous pouvez gagner des times coins en aidant les gens, en leur répondant sur le Aled. Donc ici on a les top helpers, donc Bartwix, Babui, Kawa, Jessrop et Monsieur Liven. Donc voilà, c'est ceux qui ont aidé. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus? Ils sont en partenariat avec Himalaya, donc ils ont ouvert des serveurs Minecraft. Là ils sont en train de construire un serveur, il n'est pas encore ouvert, mais ils sont en train de construire un serveur. Donc allez faire un tour, vous allez voir, c'est leur serveur, ils sont bien, ils ont l'air d'avoir un bon potentiel. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, ça m'a l'air. Vous pouvez contacter les personnes donc, en catégorie, donc recrutement, support ou partenariat. Donc vous envoyez un mail, donc après ils vont le traiter. Moi j'étais traité rapidement, donc voilà, donc ils recherchent des partenariats donc avec les jeunes youtubeurs, jeunes ou grands youtubeurs. Donc, je trouve que ça c'est un gros potentiel. Ils ont pas ouvert il y a pas longtemps, ils ont ouvert le 16 ou non le 18, je sais plus, le 16, le 16 avril ils ont ouvert, donc ça date d'il y a pas longtemps. Là on est le 18. Donc vous avez tous les renseignements sur le site. Donc ce sera en description, et j'aimerais passer un petit coup de pub pour la personne qui m'a fait aider à être en partenariat avec WeWantServe. Donc sa chaîne c'est Shana and Connard.
Donc elle fait du super bon boulot. Et franchement, ouais, moi franchement j'aime bien ce qu'elle fait. Du coup, je lui passe un petit coup de pub, un petit coup de pub. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, j'ai rien à dire d'autre. Ah oui, il y a donc un test qui a été mis en place par Himalia. Donc je vais aller sur Himalia. Hop, vous êtes sur Himalia Gaming. Et donc voilà, donc là vous êtes sur le site d'Himalia Gaming. Et en gros, quand vous allez dans les serveurs, hop là, donc les serveurs, si ça veut bien se mettre en route, ils ont un TS qui est mis à votre disposition. Donc ils ont des serveurs Counter-Strike. Voilà, donc vous allez faire un petit tour. Ils ont des serveurs de plein de trucs. Ils ont le serveur Minecraft, donc il est encore en cours de construction. Sinon, voilà, vous avez le TeamSpeak qui est là. Regardez. TeamSpeak, donc himalayagaming.com 2.9987. Donc il y a 94 channels. Et là, pour l'instant, il n'y a que 3 sur 32 joueurs connectés, je crois. Ouais, si c'est ça. Et ouais, ils sont vraiment sympas, c'est vraiment, ils ont l'air d'être une famille, enfin, je sais pas, s'ils sentent bien. Donc hier, ouais, j'y suis allé faire un tour, ça va, on a bien discuté, tout le staff est gentil, donc voilà, c'était juste pour vous faire cette information-là, comme quoi je suis passé en partenariat. Donc je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos, allez, bye bye tout le monde.